Eh bien, yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Voilà, on se retrouve pour... Attendez, je crois que vous m'entendez pas très bien. Deux secondes, je vais faire un truc, deux secondes. Et là, vous m'entendez pas bien, par hasard? Là, c'est pas un petit peu mieux. C'est pas un petit peu mieux, là. Écoutez, nouveau micro. Pour ceux qui me suivent sur Twitter, tout ça. J'ai un petit nouveau micro qui fait plaisir. J'espère que le micro vous plaît. Moi, il me plaît extrêmement parce que ça fait youtubeur professionnel. Pas du tout. Non, non, pas du tout. Vous voyez la bête. J'ai aussi gagné un concours sur Facebook. Une carte graphique, juste là. Donc voilà, la GTX Trix GeForce 1050 Ti, voilà. C'est super, super cool. Leur page aux personnes qui m'ont fait gagner cette carte sera dans ma description de la vidéo. C'est bien sûr Erect, la page Facebook Erect. Donc allez-y si vous voulez des conseils sur, par exemple, water cooling. Ils sont très calés sur ça, ce que j'ai compris. Et franchement, bah, allez-y, tout simplement, pour ceux qui sont intéressés par le water cooling dans les ordinateurs. Allez sur leur page, vérifiez, et puis si ça vous plaît, aimez leur page. Et ils font beaucoup de concours aussi, c'est pour ça que j'ai gagné cette carte graphique plutôt sympatoche. Donc pour gagner une carte graphique, un ordinateur, un boîtier d'ordinateur, participez à leur concours. Et puis voilà, vous pourrez gagner si vous voulez. Il n'y a pas de partenariat avec eux, c'est juste que j'ai gagné un concours sur Facebook qui m'a permis de remporter cette carte graphique. Donc je les remercie énormément encore en pleine vidéo. Donc le petit micro, je ne connais pas sa marque bien sûr. C'est un Neewer. Le micro est un Neewer. Donc Neewer, une marque pas très connue. Même si c'est une des premières marques sur Amazon. Bien sûr, j'en garde le retour parce qu'à cause de la lumière là, c'est le bout de la lumière que vous voyez là. Ça fait... Oh putain, ça fait E.T. oui. Voilà, il va falloir aussi que je m'achète une caméra. Parce que ma caméra est mal placée du coup, cause du micro qui est juste là. Et ben on voit très très mal, on voit très mal ma tête. Et voilà, c'est comme ça, c'est le business des micros. Et puis voilà, donc en ce moment je travaille dans les vignes, je fais les vendanges, c'est pour ça que vous n'avez pas de vidéo par semaine. Pourquoi? Parce que quand je rentre chez moi le soir, je suis très très fatigué, les vendanges me tuent intérieurement, c'est super compliqué. Je sais que certains diront « Oh, tu dis de la merde, etc. » Mais même si c'est ceux qui font déjà les vendanges et qui me disent ça, chacun est comme il est, il ressent différentes choses comparé aux autres. Bon, peut-être que bon, le mal de dos, tout ça, quand on fait les vendanges, tout le monde le ressent je crois. Mais voilà, c'est très épuisant, c'est pire que le magasin où je travaillais, parce que du coup je travaille plus au magasin. Voilà, mon temps est fini là-bas. Du coup je suis parti quoi. J'ai touché mon salaire, tout ça, c'est grâce à ça que j'ai réquisitionné ce petit micro qui fait plaisir. Bientôt je vais avoir un autre truc, un petit casque. Je vous dis pas comment il est, dans quelle matière il est, etc. Bon, je ferai peut-être un unboxing, même si je n'ai pas fait d'unboxing de ce micro et de la carte graphique, parce que ça ne servait à rien, je trouve que les unboxings faut les faire pour les choses qui sont vraiment grosses et importantes, telles que, je ne sais pas en fait, hein, je ne sais pas à quoi faire référence, mais bon, c'est pas grave. Les vendanges, c'est très compliqué. Quand je rentre chez moi le soir, je suis énormément fatigué, je suis claqué, là, je sais même pas comment je fais pour vous faire cette vidéo, parce que j'ai trouvé le courage de la faire, parce que du coup, j'ai reçu ce micro, et je viens de le placer ce soir, et pour l'essayer en pleine vidéo, j'étais tout foufou, si vous voyez ce que je veux dire, hein. Voilà, je regardais à gauche parce que il y a mon enregistrement Audacity et je clique, j'ai pas cliqué dessus mais je regarde si le gain de micro est assez bon parce que est assez bonne. Voilà. Vous me voyez pas trop bien à cause de que ben, le micro du coup fait une ombre sur moi à cause de la lumière qui éclaire mal. Voilà, dites-moi en commentaire comment faudrait que je place mon micro pour que ce soit mieux parce que ma caméra je peux pas la bouger, je suis obligé de la laisser là. J'ai aussi une chose à vous faire gagner, bien sûr ce sera pour les 1000 abonnés, c'est une petite carte graphique MSI GeForce 760 GTX. Bon, je sais que c'est pas dans l'ordre, je sais pas dans quel ordre en fait on peut dire ça, mais c'est une petite MSI qui date de pas mal de temps, donc bon, pour ceux qui n'ont pas les moyens de se payer une petite 760, qu'ils ont un petit PC, une tour bien sûr, parce que ça ne rentre pas dans un ordi portable, pour ceux qui ne savaient pas, mais voilà, vous êtes au courant, ça ne rentre pas dans un ordi portable, une carte graphique d'ordi fixe. Donc la carte graphique est une carte, elle n'est pas neuve, c'est une carte graphique qui sort de l'ordi de mon père, parce qu'en fait quand j'ai reçu ma carte graphique que j'ai gagnée, je l'ai mise dans mon PC, celle que j'avais, je l'ai donnée à mon père, et du coup j'ai mis la Ti dans mon ordi, la Titan. Et mon père m'a filé sa carte graphique du coup qu'il avait avant. Et du coup c'est une ancienne MSI. Je la fais gagner parce que ce sera le premier gros lot entre guillemets que je ferai gagner pour mes abonnés. Et puis pour ceux qui n'ont pas les moyens de se l'acheter, elle a coûté 200€ la dernière fois que je l'ai vu. Enfin 199, 188 je crois. Du coup d'occasion je pense qu'elle coûte 100€, 150, je dis pas de bêtises. Bon je dis peut-être d'une connerie mais je sais pas vraiment, mais on verra bien. Voilà, j'organiserai un concours pour les 1000 abonnés et pour remporter cette petite carte graphique. Mais bon, avec les 63 personnes qui regardent mes vidéos, je pense que vous allez vite fait savoir qui c'est le gagnant, bien sûr, parce que 63 personnes, ça va pas être compliqué pour faire un petit pile ou face pour choisir qui c'est, hein, ça c'est clair. En tout cas, je vous remercie tous autant que vous êtes, parce que vous êtes toujours, chaque semaine, chaque jour, je vois que je gagne minimum un abonné, peut-être pas tous les jours, mais tous les 2-3 jours, je gagne
au moins un abonné, c'est extrêmement... Et ça me touche extrêmement beaucoup parce que ça prouve qu'il y a des gens qui regardent mes vidéos. Et en plus, le pire, c'est que c'est plus mes anciennes vidéos qui sont vues, qui grâce à ça que les personnes s'abonnent. Par exemple, mon tuto Sony Vegas qui est vu, je ne sais pas combien de fois, très beaucoup de fois, ça veut rien dire, c'est pas grave. Et je vous remercie énormément. La FAQ est toujours un jour. N'oubliez pas de poser encore vos questions en commentaire. Parce que j'en ai peut-être pas assez, mais je vais quand même bientôt la tourner la vidéo. Et puis voilà, hein, c'est tout ce que j'avais à dire à propos de la FAQ. J'espère que mon nouveau micro vous plaît, parce que moi il me plaît nickel. Ça fait un peu plus youtubeur, moins débutant. Ça fait un youtubeur un peu mieux quand même. Ça fait un gros changement sur ma chaîne, et puis mon setup va être changé. À propos sur YouTube, ça va être changé. Je vais mettre le micro et ma nouvelle carte graphique. Ensuite, pareil, en description. Surtout, n'oubliez pas d'aller sur les réseaux sociaux pour voir des nouveautés, c'est-à-dire sur mon Snap, sur mon Facebook, peut-être mon Twitter. C'est là quand je sors une vidéo, ça sort une notification directement parce que j'ai synchronisé. Mais n'oubliez pas surtout d'aller sur Facebook et Snapchat, parce que Snapchat, c'est l'endroit où je suis le plus actif, vraiment, où vous verrez toute ma vie entière. Je poste même des photos de moi, enfin pas de moi, mais des photos de quand je travaille dans les vignes. Comme ça, tout le monde est au courant. Puis voilà, c'est pour vous tenir au jus de ce que je fais. Et puis du pourquoi, du comment. Je ne fais pas une vidéo par semaine, comme ça, grâce à Snapchat, vous êtes au courant du pourquoi, du comment. J'ai une scène secondaire qui concerne Call of Duty, donc sur PlayStation 3, allez-y faire un tour pour ceux qui kiffent Call of Duty. C'est une scène spéciale réservée à Call of, donc la chaîne est en description, n'oubliez pas d'aller la voir, allez jeter un petit coup d'œil au moins, et puis vous verrez bien si ça vous plaît ou pas, c'est des gameplays basiques avec mon commentary par-dessus, avec mon ancien micro, parce que voilà. Si ça vous intéresse, allez faire un tour, allez dans la description. Donc voilà, je vous parle en ce moment même, mais là mes yeux se ferment au fur et à mesure, c'est très compliqué de vous parler, je suis vraiment mort. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de tout dire en commentaire. Si vous avez des questions, si vous voulez savoir quelque chose à propos de mon setup, etc., n'oubliez pas de me le préciser. J'ajoute juste que j'ai eu le jeu Outlast, donc il y aura sûrement une série entière, comme je le fais pour The Walking Dead, vous inquiétez pas, pour ceux qui attendent The Walking Dead, ça va arriver. Comme The Walking Dead, je vous ferai une série entière du jeu Outlast, donc le jeu entier, et plus ce DLC que j'ai eu, donc je ferai le jeu plus ce DLC pour ceux qui veulent, puis voilà. Sur ce, j'espère que ça vous a plu cette vidéo, que mon micro vous plaît, que tout ça vous plaît. Moi, ça me plaît énormément. J'en sors bientôt mon casque. Je vous dis pas à quoi ressemble le casque. Vous verrez bien par vous-même. J'espère que vous allez kiffer le casque. Et précisez tout. Dites-moi tout en commentaire si vous voulez que je fasse sur Outlast. Si je continue The Walking Dead, etc. Sur ce, n'oubliez pas d'aller sur mes réseaux sociaux. C'est très très important. Tout en description. Et je vous fais des bisous, merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous remercie encore pour tout. Ciao ciao.